à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un monde à part, voire insolite, celui de constructeur naval. Des dessins en 3D sur l'ordinateur, en passant par les premiers coups de ciseaux à bois sur la charpente, jusqu'à l'assemblage des différents composants, construire un bateau obéit à une certaine technicité. Construire un bateau, et vous allez le voir, n'est pas donné à tout le monde, car c'est un travail d'orfèvre qui exige minutie, méthode, précision et organisation. Pour mieux s'en rendre compte, nous nous sommes immergés, le temps d'une journée, dans les coulisses d'un chantier naval dirigé par José et son équipe. Comment et avec quoi on construit un catamaran? Capitaine José a réponse à tout. On voit tout ça en images. Bonjour José. Bonjour Antoine. Ça va bien? Ça va. Merci de nous recevoir sur ton chantier naval. Mais j'ai cru comprendre que tu étais en plein travail. Et vous travaillez sur quoi actuellement? Alors en ce moment, on a commencé la construction d'un catamaran à moteur. On a commencé le chantier au mois de septembre. Et alors ce catamaran à moteur, ça va être un gros catamaran, un gros bateau, de par sa taille, sa longueur? C'est un catamaran de 9,30 m. C'est un catamaran de taille moyenne. C'est un joli outil pour visiter le lagon. Et alors combien de temps ça prend, José, de sa conception à la construction finale? Alors ça dépend un petit peu aussi de la finition et de l'équipement qui est demandé par le client. Et celui-ci en particulier a été planifié sur 8 mois. À mon avis, le plus simple, c'est qu'on aille le visiter ensemble. Ok, bah je te suis. Si ça t'intéresse. Avec plaisir. Waouh, voilà la bête. Bon voilà Antoine, on est dans le chantier, on est entre les deux coques du catamaran. D'accord. Qui est en cours de chantier. Mais alors José, quelle a été la demande du client pour ce navire en question? La demande de base, c'était un bateau à moteur, un catamaran à moteur. Pourquoi un catamaran? Parce que tout simplement, ça permet d'avoir de l'espace habitable, donc de concilier une taille réduite et un confort intérieur qui est bien supérieur à un monocoque. Mais avec ce type de bateau, on peut faire le tour du monde ou c'est plutôt destiné aux loisirs, lagonnaires ou... Non, le tour du monde est complètement illusoire avec un bateau de ce type-là. L'utilisation de ce bateau, c'est, j'ai envie de dire, un jouet de lagon, entre guillemets, qui permet d'aller explorer en confort tous les îlots du lagon calédonien. On va parler un peu des matériaux. Comment est-ce que vous fabriquez la coque? Alors, la particularité d'une construction à l'unité, c'est qu'on ne travaille pas dans un moule. Donc, en fait, pour ce bateau-là, par exemple, il faut imaginer les deux coques qui sont construites séparément et à l'envers. Après, on les retourne et là, on assemble les deux coques entre elles avec ce qu'on appelle des cloisons. C'est des pièces qui font la jonction entre les deux coques l'une à l'autre. Mais quel matériau utilisez-vous? Du bois, du contreplaqué, de la fibre? Alors, on peut construire les bateaux de plein de manières différentes et de plein de matériaux différents. Alors, celui-là en particulier, il est composé de panneaux de sandwich. Ce qu'on appelle le sandwich, c'est un amalgame finalement de mousse au milieu, recouvert de fibres de verre avec de la résine époxy. Après, on a différentes épaisseurs. Plus l'épaisseur est importante, plus la rigidité du panneau va être élevée. Après, on fait varier l'épaisseur en fonction des zones de structure du bateau. Par exemple, le fond de nacelle qu'on a ici est plus épais puisqu'il y a une nécessité de rigidité. Mais alors, quels sont les différents corps de métier pour fabriquer un navire de la sorte là? J'imagine qu'il faut des plombiers, des électriciens, des menuisiers. Donc oui, en effet, pour construire un bateau, il faut beaucoup de corps de métier, au moins ceux que tu as énumérés, mais en final, on s'est rendu compte qu'il fallait une douzaine de corps de métier pour réaliser un bateau du développement du projet jusqu'à sa mise à l'eau. Mais pour t'en convaincre, je te propose d'aller rencontrer Emmanuel, mon collègue qui travaille sur un élément du bateau, et puis on se retrouve après dans le carré. Ok, bah avec plaisir. Alors. À tout à l'heure, José. À tout à l'heure. Emmanuel ? Emmanuel ? Oui, Antoine ? Ça va, je peux monter là? Oui, vas-y, viens. Je vais venir te rejoindre. Viens, viens. C'est solide, y a pas de problème. Y a pas de problème, tu peux monter. Ok. Ah ouais, sacré chantier. Fais attention à tes pieds, à la tête, tout ça. Okay. Vas-y, monte. Voilà. Hello, enchanté, Emmanuel. Oui, il fallait te trouver, mais dis-moi, tu peux m'expliquer un peu ce que t'es en train de faire là? Bah là, tu vois, je suis en train de modéliser la console de barre, le poste de pilotage, puisqu'on est au poste de pilotage du bateau. Et on avait fait un premier prototype qui était un petit peu galbé et le propriétaire, le client, en fait, il préférait un design beaucoup plus anguleux. Donc là, je suis en train de refaire un petit peu des gabarits
qui vont me permettre de faire le poste de pilotage final. Donc ça va me servir de prendre un petit peu mes mesures et pour pouvoir finaliser le poste de barre. Construire un bateau, là, ce que tu fais, j'imagine qu'il faut être polyvalent, ça demande beaucoup de palettes de métiers dans ce que tu... Oui, c'est vrai qu'on est une petite entreprise, donc on est obligé de savoir tout faire, hein, nous trois. Hein. Moi, d'origine, je suis menuisier bois. Donc c'est vrai que toutes les choses qui sont comme ça, en général, me sont plutôt attribuées. Et puis bon, José et Jean-Philippe ont chacun un petit peu leurs tâches préférentielles. Mais on doit pouvoir s'adapter à l'ensemble des corps de métier de la construction du bateau. J'imagine que c'est un travail qui demande minutie, il faut être précis dans les gestes, par rapport au travail. J'aimerais savoir un peu à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans votre métier. Écoute, on est un peu exposé, c'est vrai, à tout un tas de choses. Bon, déjà, on travaille en hauteur, il fait chaud, c'est l'été, donc faut faire attention. On travaille avec des produits qui sont dangereux, les résines, les solvants, les poussières. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de se protéger quand on fait de la résine, des gants, les masques, etc. Bon, là, tu vois, je suis sur du carton, donc c'est pas très nocif, mais autrement, on est très attaché à ce problème-là. C'est vrai que c'est un peu nos vies, quoi. Et même si c'est des passions, bah, faut pas tout sacrifier, quoi. Manuel, là, vous pouvez me dire un peu à quel stade vous en êtes de votre construction ? Globalement, on a fini le gros œuvre. Donc, c'est un peu comme dans une maison. On a fini de monter les murs, la charpente et on a mis les tôles, quoi. Donc maintenant, on attaque le second œuvre. Donc les enduits, le mobilier, commencer à voir les portes, les charnières, les serrures et tout ça. Et c'est vrai qu'on attaque une partie un petit peu plus fine, puisque c'est la partie qui va être visible une fois le produit livré. Merci pour tout, pour cet instant partagé. Je vais te laisser continuer. Mmh. J'ai rendez-vous avec José qui doit être le carré, c'est ça ? Vas-y, passe, c'est juste en dessous. Tu fais attention en descendant. Hein ? Ok, et merci beaucoup. Pas de problème. Allez. Ciao. José ? Oui ? C'est ici le carré ? C'est ici. Mais alors, justement, qu'est-ce que le carré ? On appelle ça le carré, mais c'est quoi le carré ? Le carré, dans un catamaran, c'est le centre du bateau. Voilà, donc là, on est au centre du bateau. Le carré, proprement dit, c'est ici. Donc ici, il faut imaginer une banquette avec une table. Ici, on va avoir la cuisine, la partie cuisine, avec un évier, la gazinière, le four. D'accord. Derrière toi, il va y avoir le frigo, le tableau électrique avec du rangement. C'est donc, le lieu de vie. Le centre de vie intérieur du catamaran. D'accord. Là, on est dans l'habitacle. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous pensez en fonction du client ? L'agencement, comment se fait-il ? Alors ce bateau, il a d'abord été agencé entre l'architecte et le client, qui ont défini ensemble les besoins du client. C'est la première étape de création d'un bateau. Mais ils se sont mis d'accord ensemble sur les besoins du client. Donc là, on met la cuisine, là, on met le carré, là, il faut une couchette double. Et l'architecte a fait un dessin en trois dimensions pour valider toute cette demande. Alors à ce sujet, vous parlez d'architecte, mais quand on vous commande un bateau, quelle est la première démarche ? Alors la première démarche, quand on est approché par un client qui est potentiellement intéressé par la construction d'un bateau, c'est d'abord de définir son vrai projet. C'est-à-dire que les gens viennent souvent nous voir avec une idée, mais finalement, il faut définir cette idée de manière plus détaillée. Et à ce stade-là, on va faire intervenir un architecte qui va permettre de définir ce qu'on appelle un avant-projet. Et au niveau de l'environnement, est-ce que vous êtes régi par des normes En Calédonie, on est peu soumis à des normes environnementales sur la construction navale. En revanche, en matière de sécurité nautique, on a des règles à respecter qui dépendent des affaires maritimes. Donc ça, c'est un travail d'abord d'architecture. Dès la conception, il faut anticiper ces normes de sécurité. Qui seront ensuite contrôlés en cours, suivant les constructions, soit en cours, soit à la fin du chantier, par des bureaux de contrôle. En Calédonie, c'est le bureau Veritas. L'architecte doit absolument prendre en considération toutes ces normes dans une conception de bateau. Mais alors ça tombe bien, parce que nous sommes allés à la rencontre de Corentin, l'architecte naval qui a dessiné ce bateau. On regarde tout ça ?
dessine des bateaux, donc je m'occupe de la partie carène, de l'aménagement intérieur, de la partie matériaux, résistance des matériaux, déco, moteur, gréement, voile. C'est ce que j'aime bien en étant à mon compte, c'est que je travaille vraiment sur l'ensemble du projet. Donc, quand on me commande un bateau, donc la première étape, c'est de savoir un peu le programme du client. Donc savoir s'il veut aller à l'île des Pins, aller aux îles Loyauté, jusqu'en Australie. Savoir aussi quel mode de propulsion il veut, donc soit la voile, soit le moteur. Ici, il y a un gros marché moteur, parce que c'est des gens qui partent le week-end et ils ont besoin d'aller... Ils partent le vendredi soir et ils veulent aller, mettons, aux 5 îles très rapidement, passer le plus de temps sur place et revenir le dimanche soir. La première démarche, c'est le programme de navigation. Après, on l'aborde tout doucement au début, c'est le budget, donc le budget du bateau que le client dispose. Et ensuite, on va dessiner un peu le look général du bateau avec les éléments importants que souhaite le client. Donc ça se fait autour d'une table où on va pouvoir, on va dire, je veux l'évier ici, je veux le four là, je veux les rangements là, on va regarder l'emplacement des personnes au niveau de l'encombrement. Et ensuite, la deuxième étape, donc là, c'est vraiment la partie conception 3D de tout le bateau. Et donc là, il y a le chantier qui intervient. On va discuter de la faisabilité de telle ou telle chose. Le client aussi, parce que là, il va vraiment pouvoir, par exemple, au niveau de l'intérieur, il va pouvoir se rendre compte comment va être vraiment le bateau en version finie. Donc on peut voir chaque détail du bateau, donc les taquets, les plexis, les moteurs, le coin poste de pilotage, les rangements, le look général. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui sert à construire le bateau ensuite. Et on a aussi des détails intérieurs, donc avec les réservoirs, les couchettes, les rangements, les descentes, la partie salle de bain, la douche, les rangements devant. Donc c'est vraiment un modèle qui est complet et qui nous permet de prévoir vraiment au niveau commande et au niveau construction, tout à l'avance. Dans la conception d'un bateau, on tient compte de tous les éléments qui le constituent. Parce qu'à l'inverse d'une maison où la maison elle est posée sur le sol, par exemple, qu'on mette une dalle de 100 kg ou de 200 kg, ça ne changera rien. Sur un bateau, on est vraiment obligé de connaître à l'avance les poids de tous les éléments. Donc ça va du revêtement de sol, de l'accastillage, de la sellerie, des équipements électroniques et de la structure même du bateau, des moteurs. Parce que le problème, c'est que si on ne tient pas bien en compte de ces éléments-là, le bateau, après, il a une stabilité qui est très aléatoire et le bateau peut mal se comporter. Et ici, les gens naviguent beaucoup, contrario en Europe où ils naviguent deux mois dans l'année. Ici, ils naviguent 365 jours par an. Donc c'est très important que le bateau soit capable de bien avancer, quelles que soient les conditions de mer, sachant qu'en Calédonie, il y a quand même du vent souvent et le clapot monte assez vite. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ce métier-là, il y a déjà toute la partie technique, donc le dessin, les calculs, la conception. Il y a la partie construction aussi qui est vraiment intéressante. Et il y a aussi la partie relation avec le client qui est géniale parce qu'on entretient, on apprend. Voilà, c'est le client aussi qui nous fait sortir un peu parfois de nos sentiers battus pour pouvoir faire des bateaux un peu novateurs, souvent très novateurs. Et donc c'est vraiment intéressant. Moi j'ai fait des dessins avant à la main, et même des dessins de carène, des calculs à la main. C'est beaucoup plus long, beaucoup moins précis. Avec ce logiciel, en fait, on gagne du temps au niveau fabrication. Le kit, c'est vraiment ça s'assemble au millimètre. Et donc là, on gagne un temps précieux au niveau de la construction. Donc c'est un sacré chantier ce bateau. Et là, avec le travail de l'architecte qu'on vient de voir, ça a sacrément évolué le boulot. Oui, l'outil informatique a vraiment modifié la manière de concevoir un bateau, effectivement. Et José, là, tu nous emmènes où maintenant ? Alors maintenant, on va aller juste au-dessus de toi. On va aller dans la zone où on peut fabriquer les panneaux qui servent à la construction d'un bateau comme ça. Ok.
autre lieu de travail ici? Donc ici, en effet, c'est une zone de travail un peu particulière puisque c'est là qu'on fabrique les pièces plates, les panneaux. Donc les panneaux qui constituent un bateau comme celui-ci. Et avec les matériaux, soit fibre de verre, soit carbone. Donc on retrouve la fameuse mousse qui vient à l'intérieur des panneaux sandwich, qui est légère, qui là n'est pas structurée. Donc là, c'est fragile. C'est fragile, ouais. Et en fait, on va venir mélanger de la fibre de verre sèche avec de la résine époxy sur le marbre en mettant ça au milieu et on tire le tout sous vide pour plaquer l'ensemble sous vide. Alors la fibre de verre peut être remplacée suivant les cas par de la fibre de carbone. Voilà, on peut aussi faire des pièces décoratives. Ça, c'est le produit fini du coup. Ça, c'est du carbone. Ça, c'est une plaque de carbone. C'est surtout très rigide. Le carbone offre vraiment une raideur vraiment importante sur un matériau sandwich. Donc imaginons le même bateau en carbone serait beaucoup plus léger parce qu'on va mettre moins de carbone que de fibre de verre puisque la résistance est plus élevée et le bateau serait beaucoup plus rigide. Mais rigide mais moins épais, c'est ça? Moins lourd. La couche de carbone sur la mousse va être plus fine. Pour avoir quelque chose qui a une résistance, on va dire, similaire, mais qui sera plus rigide. Mais alors, du coup, vous fabriquez combien de bateaux par an? Et vous en avez fabriqué combien depuis la création de votre entreprise? Alors, à ce jour, en 5 ans d'activité, toute taille de bateaux confondus, on a construit 5 bateaux. Toute taille confondue, je précise, parce qu'effectivement, on ne peut pas fabriquer des gros bateaux. On en fabrique un dans l'année, on ne peut pas en cumuler des bateaux de 12 mètres. On ne peut pas les construire en 3 mois. On n'est pas exclusivement tourné vers un bateau à moteur ou vers un bateau à voile. On peut faire ou un bateau à moteur ou un bateau à voile. D'ailleurs, il y en a un en ce moment qui est au carénage. Je te propose d'aller le visiter si ça t'intéresse. Avec plaisir. Je suis curieux de voir à quoi ressemble un bateau fini. Eh ben, allez, on y va. Hop. Donc voilà une de vos dernières créations. Bah ouais, c'est le dernier bateau en date qui a été mis à l'eau, il y a un an et demi maintenant. Et celui-ci, c'est un catamaran à voile. Celui-là, bah, c'est un catamaran à voile, voilà. Donc là, il est en carénage, ouais. Donc on a l'autorisation du propriétaire pour aller le visiter. Ok, avec plaisir. Oui, là, José, ça reste quand même un navire, un bateau de loisir, dédié au loisir. Oui, c'est un bateau de loisir, absolument. C'est un bateau de plaisance, un catamaran de plaisance. Mais contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est en cours de construction, avec lequel on peut envisager pas seulement de la navigation dans le lagon, mais du grand voyage, éventuellement autour du monde pour les plus motivés. C'est pas le même programme de navigation. Oui, donc tu nous as fait venir ici, mais pour nous montrer un peu un habitacle fini. Et cet endroit va être sensiblement le même sur le bateau en construction, c'est ça? Ouais, c'est le même type de finition d'ambiance intérieure, donc une ambiance assez blanche avec quelques boiseries. On va être vraiment, même si les volumes sont différents parce que la conception du bateau n'est pas la même, on va retrouver un aspect qui va être similaire, une ambiance qui va être sensiblement identique. Mais après, on n'est pas du tout dans le même bateau, donc inévitablement, on ne retrouve pas les mêmes aménagements aux mêmes endroits et l'utilité d'une table à cartes ne va pas être la même dans un bateau à moteur, dans un bateau à voile, parce que le programme est différent. Donc on peut descendre voir la cuisine. Et là, on est sur le côté tribord du navire. Là, on est sur la coque tribord. Donc on a la cuisine. Voilà, et puis devant, tu as une couchette double, une salle de bain et une douche qui est devant. D'accord. Et les toilettes qui sont situées les à l'arrière. Ici. Et la coque bâbord est assez ressemblante. Voilà. D'accord. À 2-3 détails près, on est sur la même chose. C'est bien pensé, hein, c'est spacieux. Ouais. Avec une belle boiserie, enfin, ouais. Costaud. Et donc là, dans le carré, on a la table à cartes. La zone de navigation, voilà, la table à cartes avec les instruments, le GPS. D'accord. C'est une zone qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'intérêt dans un bateau comme celui-ci. À voile. Là, José, entre le bateau que vous êtes en train de construire et celui-ci qui est terminé, j'imagine que c'est quand même une clientèle assez aisée qui peut s'offrir ce genre de navire.
Oui, c'est évident que on est dans des tailles de bateaux à partir de 9-10 mètres jusqu'à 12 mètres comme celui-ci, où évidemment le prix de vente neuf commence à être assez élevé. Donc n'est pas à portée de tous les carnets de chèques. Après, nous, on s'adapte aussi à ce que veulent d'autres types de clients avec moins de budget. Hein. On a fait des bateaux à moteur qui sont plus petits. Là, sur des bateaux comme ça, on part sur du neuf. Mais est-ce que ça a une longue durée de vie par rapport aux matériaux que vous utilisez ? Alors la partie structure composite sandwich a une durée de vie qui est difficile à estimer puisque c'est très long, ça ne va pas tomber en miettes pour une raison XY. Dans 30 ou 40 ans, la structure sera toujours là. Par contre, il y a tout un tas d'équipements qui ont une durée de vie limitée. Les voiles, ça sera renouvelé, un panneau solaire comme ça, c'est pas éternel non plus. L'accastillage, ça s'use, les moteurs, ça s'use. Donc il y a beaucoup de renouvellement à faire sur une structure qui est saine et stable. Mais est-ce qu'il est possible de voir la palette un peu des bateaux que vous construisez ? Oui, bien sûr, je peux t'emmener à Port-Moselle pour voir deux bateaux qu'on a construits. Alors il y a un gros, c'est un trimaran de course, tout en carbone. Et il y a un plus petit, c'est un bateau à moteur, beaucoup plus raisonnable, plus petit budget, petite consommation. Alors, Antoine, on va aller voir un petit bateau à moteur qu'on a dessiné, conçu et construit. Et c'est un concept de bateau à moteur assez léger, avec une faible motorisation, et pour objectif de consommer le moins possible. C'est celui-ci, là. Voilà, c'est celui-là. C'est vrai que c'est assez original. Hein. Voilà. Et ça, c'est un bateau qui tient bien la mer, on peut... C'est un bateau qui a fait ses preuves maintenant, ouais, parce que ça fait le plan à 4 ans de mémoire. Ouais. Et moi, j'en suis très content. C'est un joli petit jouet pour aller sur les îlots à proximité et qui coûte quasiment rien à l'entretien et à l'usage. C'est des bateaux qui sont conçus en contreplaqué fibre avec de la fibre et de l'époxy. Donc, pour simplifier, je vais te dire qu'on remplace la mousse par du bois. Le bois est structure. D'accord. Mais du coup, ça fait un bateau quand même assez lourd pour sa taille. Eh ben non, justement, le contreplaqué, contrairement à beaucoup de mauvaises idées reçues, ouais, ça fait des bateaux qui sont très performants quand c'est bien construit et qui sont justement légers et rigides. Donc là, on va où est-ce qu'on va Alors là, je vais profiter de la balade pour t'emmener voir Jessica Rabbit. C'est le premier bateau qu'on a construit, ou fini de construire à Marine Performance. Le trimaran. Et le fameux trimaran tout en carbone. Voilà. Ok, curieux de voir ça. José, là, on est sur une de vos premières réalisations, le fameux trimaran. Sur la première réalisation qui a lancé notre société, puisque c'est chez nous que cette jolie bestiole a été terminée. Et alors, quelles sont ses particularités ? Parce qu'on sent qu'il est sacrément profilé, ce bateau. Alors là, on est vraiment sur un bateau de course à 100%. C'est que du carbone, que du sous-vide, de la construction high-tech, le plus léger possible. Là, on est sur quelque chose, pour vous donner une idée, qui fait à peu près deux fois moins de poids que le kata moteur qui est en ce moment en construction. Oui, José, un bateau comme celui-ci, là, on est dans une toute autre pensée d'architecture. Oui, on sort complètement du cadre habituel de développement d'un projet comme on a pu le voir au chantier tout à l'heure. Là, il ne faut pas seulement un architecte et un chantier, il faut d'autres corps de métier. Par exemple, il faut, en plus d'un architecte qui coordonne un ensemble, il faut quelqu'un qui va faire les calculs de structure, qui sont beaucoup plus pointus, donc qui est spécialisé dans le calcul de structure. Il va falloir quelqu'un qui s'occupe de la partie écoulement, donc toute la partie immergée du bateau, l'équilibre sous voile qui en dépend, et donc les performances finalement sous l'eau, ça s'appelle un hydrodynamicien. Il va falloir un chantier. Donc en fait, on a toute une... En amont du projet,
Hors construction, on a tout un panel de compétences qu'il faut regrouper pour mener à bien un projet comme ça. Sur ce type de bateau, je pense que ça pose pas de problème, mais sur des plus gros bateaux, notamment le catamaran à moteur que vous êtes actuellement en train de construire, comment vous les mettez à l'eau, ces navires ? Alors celui-là, effectivement, c'est très facile, hein, parce qu'on prend une remorque ou une petite grue et ça part à l'eau. Et pour des catamarans de plus grande dimension et surtout plus lourds, pour le cas là, on a une remorque qui passe sous le bateau, qui lève le bateau et qui va l'emmener tout de suite à l'eau. Merci pour tout. Ben de rien Antoine, c'était avec plaisir. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre chantier naval. Et j'espère qu'on pourra être là pour la mise à l'eau. Ah ben avec plaisir, vous êtes les bienvenus pour venir voir ça. C'est toujours un moment palpitant. C'est particulier, ouais, j'imagine. Merci José. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Au revoir. Voilà, ce numéro d'Entre Terre et Mer consacré à la construction navale touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, nous avons seulement suivi les différentes étapes de la construction d'un catamaran à moteur. Nous avons aussi beaucoup appris sur les différents métiers qui interviennent sur le chantier. Et j'espère que cela suscitera quelques vocations chez nos téléspectateurs les plus jeunes. Mais l'aventure n'est pas terminée. Très prochainement, dans un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer, nous assisterons au baptême et à la mise à l'eau de ce catamaran. Une opération, vous le verrez, intense, délicate et pleine de suspense. Et pour le bouquet final, nous embarquerons à bord pour un test grandeur nature qui vous apportera son lot d'émotions. Allez, salut les moussaillons et à bientôt sur NCTV.